Mega up low, low, low. Séisme sur la toile. La justice américaine a fermé ce jeudi la plateforme de téléchargement megaupload.com pour violation des droits d'auteur. 15 minutes plus tard, les sites du FBI, du département américain de la justice et de la maison de disques Universal Music étaient bloqués. Une cyberattaque revendiquée sur Twitter par le collectif de pirates Anonymous. Il doit préparer d'autres représailles. La méga-guerre est déclarée. Il faut dire que les États-Unis ont frappé fort. Sur demande du FBI, la police néo-zélandaise a arrêté 4 dirigeants du groupe Mega Upload, dont son fondateur, un Allemand de 37 ans du nom de Kim Schmitz, alias Kim.com. Ils ont été arrêtés pour violation des droits d'auteur aux États-Unis, blanchiment d'argent et racket, a expliqué cet inspecteur. Des perquisitions ont été conduites à Auckland, notamment dans la Dotcom Mansion, la vaste demeure de Kim.com. Plusieurs voitures de luxe ont été saisies. Près de 7 millions d'euros ont été gelés en banque. De son côté, la justice américaine a saisi 50 millions de dollars d'avoirs et lancé des poursuites contre 3 autres responsables du site. Au regard du droit américain, la galaxie Mega Upload n'a rien d'illégal. Les sites qui hébergent des données ne sont responsables de la présence de contenus illégaux que s'ils ne répondent pas aux demandes de suppression des ayants droit. Mais selon le FBI, ces dirigeants auraient incité au piratage dès la création de la société en 2005. Ils auraient eux-mêmes partagé sur leur plateforme des contenus protégés par le droit d'auteur. Ils auraient aussi incité les internautes au piratage en rémunérant les plus gros contributeurs. Les profits générés en 7 ans par les abonnements et la publicité seraient de l'ordre de 175 millions de dollars. La fermeture de Mega Upload intervient en pleine polémique aux États-Unis sur 2 projets de loi anti-piratage autorisant le gouvernement à fermer des sites Internet. Mercredi à New York, des centaines de manifestants ont crié à la censure. Prévu mardi, le vote du Congrès a été reporté. Les dirigeants de Mega Upload risquent plus de 20 ans de prison. L'Union européenne s'inquiète pour sa part des conséquences mondiales de l'offensive américaine.